Mon chouchou. Bah oui, on est très amis, alors forcément, en plus, il y a ça qui se mêle, mais puis on s'est retrouvés récemment, hein, quand même, on a tourné ensemble pour la fin. C'était hyper marrant parce qu'il y a eu, on a tellement tourné ensemble pendant 7 ans, c'était génial, etc. Et puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué ensemble, et par contre, on est très amis dans la vie, donc on a continué à se suivre beaucoup. Et quand, genre la première séquence, il y a eu presque une pudeur entre nous de rejouer nos personnages d'amoureux, enfin, parce qu'on a, alors non, on ne retombe pas amoureux, c'est pas le sujet, mais forcément, il y a la relation Jawad-Estelle, ils se revoient après eux aussi longtemps. Donc ça fait quelque chose et ça va être effectivement un peu au cœur de l'intrigue du prime du 18 novembre. Donc enfin, ça fait partie d'une des histoires. Un mariage, tout à fait. Un mariage. Ouais, un mariage qui va être où il y aura plein de péripéties pour y arriver, mais ouais, on va y arriver à se marier avec Francesco. C'est l'amour de l'estin, son italien. Ben, ça signe la fin aussi, et c'est vrai que c'est hyper symbolique de faire mourir ce personnage parce que il représente le Mistral. Donc, je pense que c'était inévitable de passer par là. Moi, j'ai trouvé que c'était bien amené. Enfin, sa mort, elle est assez simple, de manière assez. Mais c'était très émouvant, et puis, enfin, c'est marrant dans les studios. Au HMC, etc., il est écrit partout Roland is dead, Roland is dead. Et c'est un vrai truc, quoi. C'est genre Roland is dead, donc c'est mort, quoi. Mais voilà, c'est vécu comme. Ouais, symboliquement parlant, c'est fort. Et j'ai trouvé que c'était important que ça se finisse comme ça pour lui, quoi. De toute façon, ce personnage meurt avec le Mistral. Ça a été super parce que. C'était en même temps aussi le clap de fin de Léa François, et pour moi ça a été. J'ai réalisé la fin de Plus belle avec ce clap-là. Voilà. Parce que Léa, c'est mon amie, et on s'est beaucoup beaucoup suivi. Et symboliquement, qu'elle soit enceinte, voilà, quoi, qu'elle ait fait ça jusqu'au bout comme ça, et qu'elle s'en aille. Non, non, pour moi c'était hyper symbolique le départ de Léa. J'ai un peu craqué ce jour-là, et c'était en plus le dernier jour du Prime. On est trois sur cette séquence. C'est une séquence très bateau, on va dire. Mais du coup, elle va avoir une saveur particulière. Et on est avec Joachim et Laurent et moi sur une scène pour le clap de fin. Pas mal d'émotions. En plus, c'était du coup aussi la fin de Pascal Elbrock qui avait commencé, qui est le réalisateur du prochain Prime, enfin, du dernier Prime. Qui était là aussi les 2 premières années, que moi je n'avais pas connu en fait avant. Il est revenu un peu depuis 2 ans réalisé. Et pour lui, c'était vraiment symbolique aussi, c'est la boucle est bouclée quoi. Il a démarré les épisodes, il est fini. Donc il y a tout ça qui a un peu très. Voilà, plein, plein de symboles. Et il y a eu dans le Prime, à un moment donné, bon, quand vous verrez, allez, la vie se termine donc évidemment sur un plan. Hein, et donc on a tourné ce plan-là à un moment donné où on est très nombreux sur la place du Mistral. Et ça, il y a eu une prise magique. La première prise, elle était dingue. On a vraiment vécu le truc. À la fois, c'était nos personnages, mais c'était aussi pas mal nous, quoi. Un message un peu classique, mais qui est hyper sincère, c'est que ça a été incroyable de vivre cette aventure. Et si elle a duré aussi longtemps, c'est grâce à eux. Et c'est hyper précieux de les avoir et aujourd'hui de savoir qu'ils nous suivent encore. Je vais pas commencer à pleurer, hein. Mais c'est voilà. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il va falloir qu'on continue, qu'on ait notre vie de comédien et ailleurs. Et c'est parce que c'est notre métier à la base. Et moi personnellement, je suis hyper contente aussi de cette page-là qui se referme, mais pour en ouvrir plein d'autres, j'espère. Et voilà, et on compte sur eux pour nous soutenir aussi dans nos projets futurs. Mais je suis assez persuadée qu'ils seront là. Et merci beaucoup pour tout.